à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et plus précisément un nouveau portrait. Voilà, je vous en avais parlé, ça se coud un peu. Je vous en avais parlé, on va faire le portrait de Franck et Alice qui ont décidé d'acheter un camion caisse et de l'aménager. Voilà, et là on va se retrouver avec le conducteur ou plutôt la conductrice, Alice. Et oui, pour une fois, c'est une femme qui est au volant. Donc salut, moi c'est Alice, vous l'avez compris, j'ai 35 ans. On a décidé donc de partir en tour du monde en famille, à la base pour un an, et puis finalement on a décidé de partir et de pas revenir. C'est moi qui ai passé le permis parce que j'étais disponible plus facilement. Il fallait juste que je fasse garder les filles, et Franck sinon il aurait fallu qu'il prenne 15 jours de disponibilité. Donc ça aurait été un petit peu plus compliqué vis-à-vis du boulot. Tu t'attendais un jour à passer ton permis poids lourd et avoir un camion, Non, tu m'aurais dit ça ne serait-ce que l'année dernière, je t'aurais regardé comme un fou en me disant mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là. Non, c'est sûr que c'était pas un rêve de passer le permis poids lourd. Est-ce que là au final ça te plaît de rouler en camion? Ouais, c'est génial. J'adore. Là au final du coup t'as pris goût quoi. Ouais, carrément. Tu peux nous présenter un petit peu ton camion, ce que c'est, tout ça? Ouais, alors c'est un ancien camion d'auto-école, c'est un Renault Midland 220 DCI, donc double cabine, il y a 6 places disponibles dedans, et donc la caisse était trop petite, et on en a fait refabriquer une par un carrossier constructeur, puisque ça touchait au châssis et au faux châssis, et là on n'a pas le droit de bricoler nous-mêmes ce genre de petites choses. La caisse elle faisait combien avant ? La caisse, si mes souvenirs sont bons, elle faisait 5 mètres, mais le problème, alors c'était pas tant la longueur le problème, c'était la hauteur. Parce que Franck fait 1m91 et je crois que la caisse mesurait 2 mètres de haut. Donc le problème, c'est qu'une fois que tu as mis l'isolation au plafond et au sol, la tête pliée. Donc là, si je dis pas de bêtises, le camion en entier, il fait 9m20 et la caisse en fait 6, un peu plus de 6. En hauteur intérieure, vous aurez combien? Hauteur intérieure, on aura un peu plus de 2 mètres. Tu demanderas à Franck, c'est lui qui est plus calé sur les mesures. Forcément, ça a eu un coût. On est à un petit peu plus de 10 000 euros la caisse, voilà, pour rien cacher. C'est une caisse qui est en quoi comme matière? C'est du polyfond. Là, c'est un ancien camion d'auto-école. Oui, qu'on a acheté à une auto-école à Avignon. Donc regardez, on a traversé. Même si je veux faire une petite blague, je peux m'amuser à freiner pendant la route ou à accélérer. On va éviter. En fait, là, le camion, ils l'ont eu il n'y a pas longtemps, comme elle vous a dit Alice, et on emmène une pergola chez un peintre. Donc ils profitent tant que le camion il est encore vide pour emmener cette pergola qui est assez encombrante. Il y a Franck qui est en train de nous suivre derrière, on vous le présentera tout à l'heure et on va faire un petit tour du camion et on pourra parler de tout ça plus longuement. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, ça y est, on a déposé les pièces là pour la peinture et on va aller peser le camion. On va aller peser le camion et là, on va faire la connaissance de Franck et aussi des enfants parce qu'on n'en a pas parlé, mais ils ont deux filles, Franck et Alice. Donc, on finit la route et je vous les présente tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Franck. Donc voilà, on est arrivé à la balance donc pour peser les pics. Je suis menuisier, j'ai 39 ans, bientôt 40. Et là, donc on vient peser les pics parce qu'on veut savoir combien il pèse à vide. Avant, il avait une caisse en alu qui était plus courte. Donc on veut savoir un petit peu qu'est-ce qu'on lui a mis comme poids en plus. Et donc voilà, avant de faire trop d'aménagements, parce qu'on a tout juste commencé l'isolation. Tu veux le ticket? Oui. Alors déjà, on va l'enclencher. Alors monnayeur, souris. De droite pour la peser. 4 euros? Ah, c'est parce qu'il est lourd, il me faut 1 euro de plus. Ticket gagnant. 6 tonnes 320. Et avant, il était à combien? À 5 tonnes 7 marqué sur la plaque. Et quand tu avais posé, tu étais à 5 tonnes 8. Donc on a pris 500 kilos. 500 kilos pour une caisse en polyfond. Et un châssis rallongé. Ouais. Et une caisse en polyfond, pas en alu aussi. Ah d'accord, parce qu'elle était en alu l'autre? Ouais, l'autre était en alu. C'est pour ça aussi qu'on voulait la changer. Allez, on est reparti. On rentre à la maison. Et vous allez voir qu'ils vont bientôt vivre dans un habitat atypique et qu'ils vivent déjà dans un habitat atypique. Ça en fait de l'atypique. Mais plus grand.
Bon, ben, on va vous présenter maintenant la cabine. Donc, on a pris un camion d'auto-école parce qu'on cherchait une cabine 6 places. C'était important pour nous, vu qu'on est 4. Alors, au début, je cherchais une cabine approfondie pour prendre moins de place sur la taille du camion. Mais c'est sans regret que la double cabine nous plaît bien parce qu'il y a vraiment de la place pour les passagers arrière. Les enfants ont vraiment de la place. Et ça nous permet de gagner une pièce supplémentaire. Voilà. Parce que notre but, ce sera de faire l'école dans la cabine. Comme ça, ce sera un espace dédié pour se poser tranquillement. Et c'est aussi là qu'on compte faire le lit d'appoint. Oui. Sur la banquette arrière. Quand on recevra du monde, on compte faire un système pour pouvoir faire une banquette, un lit à la place de la banquette. Là. Moduler des coussins et faire un bon couchage. Donc devant, on a un double pédalier, vu que c'est un camion d'auto-école. Donc on va le démonter, parce que ça peut paraître fun, mais c'est plutôt dangereux. Il ne faudrait pas que le passager décide de freiner. Ou... Et de toute façon, c'est pas légal. Voilà. Et l'avantage d'un camion d'auto-école, c'est qu'on a deux sièges sur coussin d'air d'origine. Et là, on va en profiter, vu qu'il y a beaucoup de place dans les sièges, on va faire une table qui se relève pour pouvoir travailler, là, pour que les enfants puissent travailler à l'école. Et dans les casiers, on va faire des rangements. Donc là, je vous amène dans le camion. Alors l'entrée est un peu originale, mais un peu raisonnée, désolé, parce que ça sera la soute arrière où il y aura tout mon outillage. Alors on a commencé par l'isolation du plafond. Donc là, vous voyez le liège. Donc à chaque fois, je l'ai mis entre des tasseaux. Là, on a fait les réservations pour le grand lanterneau qui sera au-dessus de la dinette. Croisé avec ça, je vais mettre des tasseaux de 45 mm de retombée, perpendiculairement à ceux-là. Et entre, je vais mettre des panneaux semi-rigides de chanvre lin. Donc ils font 45 mm. Par-dessus, on mettra un pare-vapeur partout, quand il y aura les murs et tout. Je remettrai une petite latte de 5 mm, histoire que le contreplaqué ne touche pas le pare-vapeur. Et après, je plaque de partout avec du contreplaqué de 12. Donc tous les murs, ça va être pareil. Donc, vous voyez que là, on a commencé à mettre les tasseaux. On va continuer à mettre le liège. Et entre le polyfond en 17, le liège de 20, le chanvre en 45, plus le parement intérieur, ça nous prend quasiment 10 cm d'épée de chaque côté. Donc S extérieur 2,50 et intérieur 2,30 à peu près. Mais bon, je pense qu'on sera bien isolé. Et au sol, nous aurons donc 50 mm de liège avec un OSB dessus bouffeté et collé et après un lino. Ça va être simple pour toi les meubles, vu que t'es menuisier ou pas ? C'est pas les meubles qui me font le plus souci. C'est plus tout ce qui est électricité, plomberie, que c'est un peu moins mon domaine. Mais... C'est moins ton domaine. Voilà. Mais bon, c'est ça. On l'a fait pour la maison, c'est pas tout à fait pareil. Mais... Et puis il y a toujours des bons conseils, hein, Jérémy ? Bon, du coup, comme on n'a rien à vous montrer à l'intérieur, on va vous montrer les plans en 3D. La porte d'entrée, en face, quand on rentre, la cuisine. Vous verrez tout à l'heure les plans en élévation, ce que ça donne. Le frigo, l'espace dinette avec de grands rangements en dessous de chaque banquette, une grande table et de quoi rajouter des tabourets pour manger autour, lorsqu'on reçoit. La chambre parentale. Ici, qui est situé en hauteur, et de chaque côté, trois meubles de rangement sur toute la hauteur. Maintenant, quand on entre à droite, on trouve la salle de bain avec la douche d'un côté, les toilettes et la machine à laver de l'autre, qui sépare la chambre des filles, en lit superposé, avec chacune à leurs pieds un grand placard. Alors, ici, sur ce plan-ci, je vous ai retiré les lits superposés. Donc on peut voir la cuve d'eau à cet endroit-là qui passe pile poil en dessous. Et sur l'espace de la chambre parentale, donc vous voyez ici la soute sous notre lit. Commençons par le côté porte où nous trouvons les fenêtres des lits des filles, la porte de la soute qui contiendra une bonne partie de nos affaires. L'accès à la cellule se fera par une porte en deux parties, dite porte fermière. À l'arrière, une grande porte au vent donnant accès à la soute atelier avec tous les outils de Franck. Troisième côté, la deuxième porte de la soute traversante, la porte d'accès au gaz et le bouchon pour le réservoir d'eau. Sur le toit, quatre panneaux solaires totalisant 1460 watts, le très grand lanterneau du salon, celui de la salle de bain et la sortie de la hotte. Au-dessus de la cabine, une grande galerie sera posée, ainsi qu'un pare-buffle à l'avant. Donc voilà la belle petite animation qu'ils ont fait sur le camion. Vous avez vu, ça va faire un aménagement plutôt chouette, plutôt fonctionnel. Et là, je vous disais tout à l'heure qu'ils habitaient déjà dans un endroit atypique. Et on va aller vous présenter ça. Et vous pourrez les suivre aussi sur une chaîne YouTube, parce qu'ils ont une chaîne YouTube. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu ? Mais c'est la chaîne Esprit Terre, donc comme le nom de la famille qu'on s'est choisi. Et puis, on parle de tout notre aménagement, de tous les petits week-ends qu'on va faire en France en attendant de pouvoir partir un petit peu plus loin. Et voilà, après on parlera du grand voyage. Vous allez parler un petit peu des travaux sur la chaîne ? Complètement, entièrement même. Vous allez même. Faire des épisodes et tout, comme oui. On a fait un peu ? C'est ça. Oh là là, vous allez avoir des choses à suivre si vous aimez les aménagements de camions. Donc là, on prend le petit chemin pour descendre à la maison depuis le parking et on arrive à notre maison semi-enterrée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a de la terre sur 3,
trois côtés de la maison et sur le toit. L'avantage, c'est qu'on est super bien isolé thermiquement. On est au frais, l'hiver on est au chaud. On a calculé une casquette en béton donc au-dessus des baies vitrées qui casse le soleil d'été. Donc on voit qu'il y a une bonne avancée et qui laisse bien rentrer le soleil d'hiver. Donc on se chauffe l'hiver grâce au soleil quasiment, même si on a une pompe à chaleur. Mais voilà, niveau, on peut dire que c'est une maison bioclimatique. Et écologique, parce qu'on est en toilette sèche et phytoépuration. Et on a mis des matériaux, ça, fibres de bois. Et donc là, donc vous voyez le jardin, donc on a, bon, malheureusement c'est un peu sec. On a 4000 m2, donc voilà qu'on a essayé de boiser un peu, parce que quand on l'a acheté, c'était qu'un pré où il y avait des moutons, il n'y avait que deux arbres sur tout le terrain. Donc là, nous, on a planté pas mal de fruitiers, on le verra un peu sur le côté après. Là-bas, il y a la cabane à moutons. Et si vous voulez plus de détails dans la visite de la maison, elle est à retrouver sur notre chaîne, puisque Covid oblige, il a fallu qu'on organise des visites virtuelles. Parce qu'elle est à vendre, parce que pour notre projet, bah, on vend la maison, on vend tout ce qu'on a. Oh, et bien voilà, on s'est pris une petite mante à l'eau, parce que là, il fait chaud. Il fait meilleur dans la maison ? Oui, oui. Largement. Heureusement d'ailleurs. Meilleur que dans le camion ? Oui, pour l'instant, voilà. Bon ben bah voilà, vous avez vu, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui ont été faites dans le camion parce qu'ils l'ont eu il y a combien de temps Il y a 15 jours qu'on l'a récupéré. Il y a 15 jours. Et t'as fait que ça? Non, mais je retravaille. Je rigole. Mais je voulais vraiment vous les présenter, Franck et Alice, parce que je trouve que leur projet, il est sympa. Et ils ont un gros voyage en vue. Tout à l'heure, Alice nous le disait, ça devait être qu'un an. Et au final, vous avez décidé de vivre dedans tout le temps. Okay, ouais. Donc, les gens vont se poser beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre. Et qui c'est qui nous parle de ce gros voyage? Shifumi? Allez. Shifumi. Allez, Shifumi. 1, 2, 3. C'est moi. Alors, vas-y, on t'écoute. Donc alors le départ, le voyage de base, c'était l'Eurasie avec, donc au départ de la France, l'Allemagne, la Pologne, les pays baltes, donc alors dans le mélangé, hein, parce que je ne sais jamais dans l'ordre, Estonie, Lettonie, Lituanie, la Russie, le petit bout au Kazakhstan pour ressauter après en Mongolie et la Chine. Tout ça sur un an ? À la base, ça devait être sur un an. Ouais. C'est assez speed. C'était super speed. Maintenant. Ce voyage est toujours prévu, mais plus long. Plus long, on va dire au moins 2 ans. Et là, de toute façon, peut-être pas tout de suite. Ouais. Peut-être pas tout de suite parce que Covid oblige, les frontières sont fermées pour l'instant. Et pour le retour, comme on voulait pas faire shipper le véhicule, c'est vrai que ça me fait un peu flipper le shipping. On voulait faire donc tout ce qui est Asie du Sud-Est, Thaïlande, Laos, Cambodge, Malaisie, Thaïlande, et après le retour en passant par le Myanmar d'abord. Ouais. L'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Grèce, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, c'est pareil, c'est le tiercé dans tous les ordres, l'Autriche et le retour en France. Donc un an, c'est vrai que c'était un peu un truc de malade. Les gens vont se demander, mais comment ils vont faire pour financer tout ça? Donc la vente de la maison et après, à long terme À long terme, après, moi étant menuisier, je compte travailler un peu sur la route, mais quand on sera dans l'espace Schengen, ouais, sur l'Europe, d'accord. Et après on a développé un petit peu de la vente par internet, Alice fait des bijoux. Donc ce sont des perles avec des mèches de cheveux d'enfants, parce que c'est vrai que les enfants, nos enfants, quand on en a, on adore couper la première mèche de cheveux et la coller dans l'album, la mettre dans une enveloppe et la perdre. C'est vrai, ma mère, elle l'a fait. Je crois que tout le monde l'a fait. Ouais, tout le monde l'a fait. Pas toi ? Pas encore. Donc du coup, mets quelques cheveux, c'est ça ? Du coup, oui, on prend une petite mèche de cheveux qu'on coule dans une recette de résine top secrète. Complexe, ah ouais, donc parce même que pour la résine, c'est pas juste tu coules ta résine, quoi. C'est une résine. Non, c'est un bijou t'as dû élaborer que tu vas garder, que tu vas porter, qui va frottement. Peut-être forcément réagir avec le vêtement, avec ta peau, parce qu'on a des peaux plus ou moins acides, donc il faut quand même que ça se garde dans le temps. Parce que ouais, un petit peu de recherche quand même. Jours, c'est un peu embêtant quand même. Qu'on monte soit sur des chaînes, soit sur des petits bracelets. J'adore le bracelet au macramé avec la petite manille. La manille. Là, une petite manille, vous savez, pour fermer le bracelet. J'ai trouvé ça super original. Et t'as déjà une petite boutique pour retrouver ces bracelets? Oui, on a une boutique en ligne. C'est souvenirbébé.fr. On va vous mettre le lien. Donc il y a cette partie bijoux et il y a la partie plus éducative, parce que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, vu que je suis éducatrice Montessori. Ah, tu es éducatrice Montessori, on en apprend des choses. C'est vrai que j'ai pas dit mon métier tout à l'heure. Ouais, c'est vrai.
Donc jusque-là, oui, j'avais une école Montessori qu'on avait ouverte à la maison. On avait un gros projet l'année dernière d'acheter un bâtiment sur la commune pour agrandir cette école parce qu'il y avait énormément de demandes. Et comme la banque n'a pas été sympa avec nous, elle n'a pas voulu nous prêter d'argent. C'est comme ça que... Eh ben voilà, merci la banque. Enfin, c'est ce que je dis aujourd'hui. Tant pis pour les petits-enfants Montessori, ils trouveront d'autres écoles. Mais voilà, quand les banquiers ne veulent pas, on ne peut pas faire. C'est un signe, voilà, c'est sûrement un signe. Et donc tu vas développer des formations Montessori, c'est ça? Alors, si j'ai compris. Elle est pratiquement en ligne, on est en train de finaliser ça. Donc c'est une formation pour les adultes. Pareil, on vous mettra le lien en description. Bon, et bien en tout cas, merci bien de nous avoir consacré un petit peu de temps pour ce portrait, pour ce camion, d'avoir été roulé un petit peu, de l'avoir pesé et tout. Je vous souhaite en tout cas plein de courage pour l'aménagement, parce qu'il en faut. Oui, bon, on a fait une maison, donc on va bien arriver à faire un camion. Oui, vous arriverez à faire un camion. C'est pas pareil, mais on devrait y arriver. S'il y a besoin de quoi que ce soit, vous savez qu'on est là. Je sais qu'on se parle souvent par message, tout ça. Et le mot de la fin? Eh ben, on a hâte d'être sur la route. Ouais, c'est parti. À fond les travaux déjà, et après... On a oublié les gosses. On a oublié de vous présenter les enfants. Oui, on est pas juste en on va vous les présenter vite fait, là. Bon, ils ont quel âge, vos enfants, avant qu'ils arrivent, là? 7 et 5 et demi. 7 et 5 et demi. Deux filles. Prénom, tu t'en souviens? Attends, je rappelle. Céleste et Rose. Céleste et Rose, et elles sont contentes de partir en camion ou... Elles ont hâte. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'elles nous demandent quand est-ce qu'on part autour du monde. Voilà, Céleste et Rose, la grande, la petite. Et alors, vous êtes contents de bientôt partir en camion? Oui. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime les animaux. T'as envie de voyager, de voir des animaux, tout ça? Oui. Quoi l'animal que tu veux voir le plus? La girafe. Il y en a en Chine des girafes? Non, pas trop. Je suis pas sûre. Ah mince. Pourquoi chaque fois elle veut la girafe? Ouais, et ben faut aller en Afrique. Donc, il faut que tu dises à tes parents qu'ils aménagent le camion. Une fois qu'il est fait, ils le revendent et ils aménagent un 4x4. Oui, mais nous, on s'appelle pas Jérémy. Qu'est-ce qu'on va aller voir en Chine, chérie? Des macaques. Tu te rappelles? Il n'y a pas des singes? Pandas. Voilà. Ah oui, les pandas, c'est vrai. Cool, ça. Et toi, tu es contente et heureuse? Oui. De partir vivre en camion? Oui. C'est quoi, toi, que tu veux voir comme animal? Des lions. Des lions? Ils sont tous les animaux de la savane, tu vois. On peut voir des éléphants, si tu veux, des éléphants d'Asie. Bah on va peut-être partir avec vous, en fait. Voilà, bah, je pense qu'on va tous partir en Afrique. On va monter un pont avant sur le Midlom, un pont avant. Avec, voilà, on va monter une boîte de transfert, tout ça, et on va en faire un 4x4. Hein? Pourquoi pas, voilà. Mais en tout cas, les filles, est-ce que vous êtes prêtes pour faire les travaux avec papa et maman? Oui. Vous avez hâte? Oui. Hâte de faire les travaux? Tu vas avoir une grande chambre? Oui. Toi, tu vas avoir une grande chambre? Oui. Bon, bah c'est cool. Oui. Est-ce qu'on va se prendre une petite mente à l'eau? Je sais pas. On va se prendre une mente à l'eau? Je sais pas. Tu sais pas non plus. On joue à ni oui ni non? On prend une mente à l'eau? Non. Ah, mais t'as perdu. T'es content d'aménager le camion? J'ai hâte. Qu'est-ce que tu veux voir? Des animaux. T'es sûr? Ah. Elle est forte! Oui. Récapitulé, je crois qu'elle a soif en fait. Bon, en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur les enfants. Allez, gros bisous à tous. Au revoir les filles. Salut, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous. Est-ce qu'on peut faire avec des poils de chatte? De chiens et d'animaux, oui. Pourquoi pas? Ça, je crois que ça va être coupé. Pourquoi tu regardes comme ça? Ben non, mais des poils de chatte ou de chien. Bah, pourquoi pas, hein, demande particulière, oui. Non. On a des naturopathes. Vous avez des naturoris? Des naturoris. Naturopathe. Naturopathe, oui, je crois qu'il y a une naturopathe, oui. Elle était bonne, celle-là. Oui, elle était bonne. Elle était bonne. Je ne suis pas contre bien. C'est ça? On espère, ça. On croise les doigts, on touche du bois. Oui, moi ça marche pas, je suis immunisé. T'es immunisé. 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 Franchement, on a vu que de la menthe, hein. On va le refaire. Non, un mot de la fin pour finir la vidéo. D'accord. Mais ouais, c'est pas de ta vie, on s'en fout de ta vie. D'accord. Tu regardes pas The Boys à. On peut te remercier de venir nous présenter. Ouais.